je suis pas, je suis ce que je suis. J'ai toujours assumé qui j'étais. Je suis de la jaquette. J'aime les garçons. Je ne m'en cache pas. Je suis pas un violeur d'enfants. Je paye mes impôts. Enfin, en attendant, faut simplement dire que il y avait quelques personnes qui me cherchaient des noix. Donc, ils cherchent des noix comme quand on est un électron libre. Regardez, aujourd'hui, Thierry Luron ou des proches, ils seront en tôle. Ça me taxer de tout ce qu'on m'a taxé depuis 8 jours. Mais ils ont fumé la moquette ou la mayonnaise. Non, parce que vous savez, j'ai quand même quelques amis dans la police, dans les renseignements généraux, j'ai quand même pu faire des recherches. C'est bizarre, le compte est crypté. C'est très étonnant. Chers amis, le compte est crypté, on ne sait absolument pas qui a divulgué cette photo. Et étonnamment, j'ai reçu un coup de téléphone de France Télévisions, enfin de Jean Hublot à l'époque, le lundi soir, alors que personne n'en avait parlé. Personne n'en avait parlé, ça. Donc, s'il n'avait pas voulu en parler, personne n'en aurait parlé, ça aurait été étouffé en 20 secondes. Et on a commencé à en parler quand moi, j'ai dit que je quittais l'émission. Parce qu'à un moment, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai dit, puisque t'écoutes comme maintenant, ça va. La semaine dernière, c'était Micheline, c'était Lille Renaud. Cette semaine, c'est ça. Il y a un machin. Écoutez, il y a un moment, ça va. J'ai décidé de prendre mon truc. On arrive en fin de saison. Vous me réglerez ce que vous devez me régler. Et puis on reste bons amis. Je souhaite le meilleur de l'émission parce que j'adore cette émission. Elle m'a faite. France 2 est une chaîne que j'aime. Je l'ai dit, je l'ai répété, je leur ai dit encore. J'aime France 2. J'aimerais encore travailler avec eux. Mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'ils veulent. Soit ils veulent un mec comme moi qui a fait le succès de l'émission, parce qu'il dit la vérité, il dit ce qu'il pense. Soit il faut que je ferme ma gueule et que je sois. Et donc là, il n'y a plus d'émission. Il n'y a plus de concept. Donc il faut savoir. Soit je parle trop, soit je parle pas assez. Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'ils veulent. Donc, comme j'avais pris ma décision, et j'en avais parlé à Sophie, j'en avais parlé à une partie de l'équipe et à Jean-Louis Blot, je lui dis écoute, Jean-Louis, maintenant, bah, très bien, on arrête là. On reste bons amis. Moi, j'ai aucun problème vis-à-vis de toi, t'es un ami. Bon, on aurait peut-être pu me défendre un peu plus, mais enfin, bon, la fille, c'est comme ça. On se rend aperçu des gens qui ont des couilles, ils ne vont pas. Et puis, c'est tout. Bah, donc, j'ai décidé de partir. Et je préfère partir la tête haute, avec une audience qui est bonne, ouais, plutôt qu'attendre la fin du que d'attendre encore 6 mois où il y aura encore le même temps. Non, mais bon, il y a un moment. Ça...